Un jeune testé toutes les 3 minutes, c'est à ce rythme-là que les mineurs peuvent venir se faire dépister du Covid. Un centre de dépistage a été mis en place par la ville de Marseille. Il est géré par les marins-pompiers et se situe au hall 3 du parc Chanot, derrière le centre de vaccination. Les jeunes éligibles à ce test pourront passer un antigénique sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h50 à 17h30 avec une fermeture le jeudi. Le but de ce centre de dépistage est de faciliter le quotidien des parents, comme nous l'explique Michèle Rubirola, première adjointe au maire. Les autotests, y a des parents qui ne veulent pas le faire, ils ne veulent pas faire ça à leurs enfants. Il y a des enfants qui ne veulent pas que ce soit les parents qui leur fassent. On a vu que les files d'attente dans les pharmacies étaient de plus en plus longues. Les enfants, ils attendaient dans le froid, c'était très compliqué. Donc dès la rentrée, on a fait une réunion de cellules de crise, on a décidé de mettre en place tout un protocole qui faciliterait la vie des familles marseillaises. La première adjointe au maire œuvre déjà pour l'ouverture d'un second centre de dépistage rapide comme celui-ci, cette fois-ci à côté du centre de vaccination du Grand Littoral.